Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui, c'est l'édito. Quelques vidéos à venir parce que il y a pas mal de thèmes qui me sont venus à l'esprit, dont une vidéo, largement inspirée d'un de mes followers. C'est 20 000 ISO. Alors au départ, c'était, je devais faire ça sur les débrouilleurs, et puis on a un peu dialogué avec cette personne, et du coup, je me suis dit, je vais faire des tests à plus de 6 400 ISO, puisque 6 400 c'était ma barrière, ma limite que je m'étais imposée. Et a priori, ça peut être intéressant de regarder cette vidéo. Autre vidéo, je sais pas dans quel ordre ce sera, hein, la checklist. Pourquoi une checklist? Eh bien, tout simplement parce que à un moment donné, j'étais parti faire des photos chez une amie et vous saurez la suite plus tard. Alors, pourquoi résister à l'achat d'un APN? Parce que tout simplement, en ce moment là, il y a pas mal de pubs qui vous font des remises entre guillemets d'enfer. On va dire que vu les merdes que c'est, ou vu le prix de départ du style 3000, 4000, 5000 euros, si on n'a pas décidé de faire un achat, les publicités pour les remises que l'on va vous faire, bah ma foi, faut les laisser de côté, hein. Quel appareil est fait pour vous ou pour nous? Alors entre APS, 24-36, 4 micro 4 tiers, je parlerai pas du plein format parce que, mais bon, vous saurez ça dans la prochaine vidéo à venir. Un truc aussi qui m'est venu à l'esprit, c'est en testant mes propres optiques pour APS-C, avez-vous testé ou avez-vous songé à acheter un objectif APS-C pour votre plein format? À voir. La vitesse de sécurité, ça j'en ai parlé en long, en large, en travers, mais il est toujours utile de rappeler les bonnes règles. La course au mégapixel, est-ce utile? Et puis, quelle différence entre l'argentique et le numérique? Alors, vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais il serait peut-être intéressant d'en parler de ces différences. Sur ce, les amis, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, vous likez, vous partagez, vous faites du bruit autour de mes vidéos, vous vous abonnez, et puis, à très vite, hein.